Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce match. Pierre. Salut Hervé, plaisir partagé. L'équipe à domicile, dont voici la composition. Et on découvre que l'entraîneur a retenu un 4-3-3 pour cette rencontre. Avec un attaquant axial et deux joueurs sur les côtés qui se transforment en milieu défensif à la perte de la balle. Je vous laisse découvrir la composition de l'équipe visiteuse. L'autre entraîneur a également retenu une attaque à 3. Oui, ce sera donc un 4-3-3 classique de part et d'autre. On peut s'attendre à une grosse dépense physique au milieu de terrain et puis surtout de la part des ailiers qui ont un travail capital dans ce système tactique. Tiens, un gros plan, Pierre, sur deux joueurs dont nous allons suivre la performance dans ce match. Oh, que c'est bien donné, ça. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Le ballon dégagé au large. Mario Balotelli en profondeur, oui, bien vu. Allez, peut-être un but pour Mario Balotelli. Oh, c'est le gardien qui a le dernier mot. Eh bien joué, Pierre. Hein. Oui, il n'a pas offert de solution à l'attaquant, c'est bien joué. C'est dégagé par Chiellini. Thomas Meunier. Balotelli, il est dans. Balotelli, ah, c'est complètement dévissé. Paolo Dybala. Paolo Dybala. Leonardo Bonucci. La frappe. Et le but. Ouverture du score. Eh bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. Ah, c'est sûr, mais à mon avis, il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Non, elle est interceptée, cette passe. Oh, le vilain tacle. Où l'arbitre va sévir, à mon avis. C'est donc un carton jaune. Hein. Oula, attention, l'arbitre a la gâchette facile. Dybala. Strootman. Mario Balotelli. Cesc Fabregas. Mario Balotelli. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Et la faute sifflée par l'arbitre, bien sûr. Et c'était une vraie occasion de but. Elle peut lui coûter cher, cette intervention. Il a anéanti une vraie occasion de but et la sanction va être irrémédiable. Rouge direct, Hervé, c'est la règle. Une balle d'égalisation. On a vu que le ballon avait été touché par le défenseur avant de sortir. C'est donc un corner. Un corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Attention, le corner et le gardien qui boxe le ballon. C'est bien fait. De Rossi. Zlatan Ibrahimovic. Sousso. Ouais, coup franc évident, l'arbitre l'a bien vu. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire. Ouais, bien joué là de la part de Fabregas. Allez, il peut égaliser là. Ouais, bonne sortie du gardien. Ouais, ouais, fallait y aller sur ce ballon, hein. Ibrahimovic. Mbappé. Mario Balotelli. Mais non, le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon. Il avait bien lu la trajectoire. Pour Ibrahimovic. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Ouais, lumineuse cette passe. L'arbitre qui avait une faute dans la surface et oui, c'est un penalty. Rouge, un carton rouge. Oui, mais enfin, l'arbitre ne fait qu'appliquer le règlement. Hein.
Et le pénalty qui est transformé. Le pénalty au ralenti. Bien remporté donc face au gardien, c'est propre. Un but partout, les deux équipes dos à dos. Alors ça c'est n'importe quoi cette passe, complètement à l'adversaire direct. Strootman, on voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Balotelli, et le but dans vos buts. Il mène à la marque désormais de 2-1. Goal for the visitors. Paolo Dybala. Leonardo Bonucci. Suso. Douglas Costa. Suso. Et c'est au fond. Pense avoir fait le plus dur. Ils encaissent un but juste après avoir marqué. Allez, encore une égalité. Mario Balotelli. Attention, ça peut être dangereux. Ouais, la faute, mais ça joue, dit l'arbitre. Et puis, il peut toujours revenir à la faute si ça donne rien. Leonardo Bonucci. Paolo Dybala. Leonardo Bonucci. Il y a pas mal de monde pour le presser. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Balotelli. Leonardo Bonucci. La bonne protection du ballon. Oh, s'il prend un deuxième jaune. Eh, c'est terrible. C'est le règlement. Mais ça fait deux jaunes et ça fait donc un rouge. Il n'y a rien à dire, il le savait que l'arbitre l'avait à l'œil. Il faut être costaud hein, pour protéger son ballon comme il le fait. Est-ce qu'il va prendre un avertissement ? Ouh là, il n'était pas très loin du rouge là, non ? Oui, ben là, il faut faire attention. Hein. C'est pas la première fois que l'arbitre les sanctionne. Ah, il a bien senti le. Ouais, le deuxième jaune peut-être. Attention, ce serait un rouge. Oh, le joueur qui a craqué, la deuxième carton jaune. Et c'est donc un rouge. Ouais, c'est terrible, Hervé, parce que dès qu'il s'est relevé, on a vu dans ses yeux qu'il était au courant qu'il allait être sanctionné. C'est Douglas Costa qui récupère. Ah ouais, c'est bien fait ça. Attention. Et le but. Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe. Il va falloir préserver ce résultat maintenant, ça va pas être facile. Et 3 buts à 2 au score, quel match. Marcel. Strootman. Mario Balotelli. Kylian Mbappé. Il centre vers ses partenaires. Ah, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Suso. Paolo Dybala. Leonardo Bonucci. Il fait opposition avec son corps pour protéger la balle. Et la mi-temps donc. Seconde période. Il peut encore se passer plein de choses, hein, Pierre. À tout dépend de ce qu'ont décidé les entraîneurs, hein, puis aussi de la fraîcheur des joueurs. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Ballon qui est sorti en touche. Ouais, il a réfléchi, il a hésité, l'arbitre. Et bon, bah, au final, il s'est décidé. Ouais, carton jaune. Balotelli. Ouais, lumineux cette passe. Attention à la frappe. Ouais, ballon bien arrêté, bien capté. Suso. Il faudrait un peu de la passe à 10 là. Ce serait bien qu'il passe à autre chose maintenant. Kenny. Miranda.
Ah, il enchaîne les bonnes passes. Il est dépossédé du ballon. Mario Balotelli. Chiellini qui récupère ce ballon. Quelle première période il vient de nous faire. Me dites pas que vous n'avez pas aimé, Pierre, parce que là, je vous... Peut-être l'égalisation sur ce coup. Oh, l'égalisation! L'égalisation, Pierre! Ouais, ouais, les joueurs ont su créer le danger et profiter d'un petit peu de suffisance, peut-être, dans le camp d'en face. Et avec ce but, tout est à refaire. Ouais, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Oh, la faute! Ouh, la faute, trop d'engagement sur ce tacle. Ça sent le carton jaune. Carton jaune pour cette faute. Ouais, l'avantage avec ça, tu vois, c'est que tout le monde est prévenu maintenant. Il y a un bon coup à jouer sur ce coup franc. En jouant dans la surface, ce sera un bon début. Et on a dégagé pour écarter le danger. Strootman. Marco Verratti. Balotelli. Oui, la frappe. Le gardien qui nous sort un arrêt de grande classe. Corner, le ballon est sorti des limites du terrain. Et il dégage. Et va-t-il parvenir à centrer? Il y a du monde dans cette zone. Kylian Mbappé. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Il prend sa chance. Encore un bon ballon. Paolo Dybala. Sousso. Ah, la passe en profondeur, attention. Attention. Et dans le tir qui est contré. Et ça donne un petit peu d'air avec ce dégagement. Mario Balotelli. Ce sera une touche. Mbappé. Mario Balotelli. Kevin Strootman. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Marco Verratti. L'occasion de prendre l'avantage. Oh, il attrape le montant. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. La passe est mal assurée. C'est une interception. Ah, il pouvait mettre une option sur la victoire, mais le cadre en a décidé. Ouais, il perd fort la défense. Ce sera sans problème, hein, pour le gardien. Il a bien anticipé, là. Ouais, dommage d'avoir perdu la balle sur ce contre. Ah oui, le tir. Le gardien qui assure le spectacle avec efficacité. Les supporters qui aimeraient bien que cette domination se traduise par un but. Balotelli. Oh, le ballon au fond du filet. Et c'est donc un triplé assez magnifique. Hein. Il se souviendra de ce match. Et le temps qui passe, les buts qui continuent de tomber. Sousso. Sont en train de poser leur jeu patiemment. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire, hein, qui récupère. Sousso. Oh, c'est à côté. Oh, c'est pas passé loin. Ouais, c'est une occasion nette qui s'envole. Et le ballon rendu carrément à l'adversaire. Alors que visiblement, on s'oriente vers une autre tactique, hein, pour l'équipe locale. Oui, Hervé, les défenseurs vont jouer leur jeu d'après les consignes de l'entraîneur. Allez, il faut centrer. Thomas Meunier. Ouais, ça profite, l'arbitre laisse jouer. Bien arbitré, ça. Marcel. Marco Verratti. Un geste plein de calme, de maîtrise. Sousso. 8 minutes, hein, c'est le temps qui reste à jouer. Et le public qui entend bien sûr jouer son rôle, qui pousse.
Ouais, ça pousse là, il reste peu de temps pour coller au score. Mario Balotelli. Oh, que c'est bien donné ça. Passe en profondeur. Et le but, que c'est beau. La supériorité numérique de cette équipe qui se traduit donc au tableau d'affichage. Pourtant on sait, hein, c'est pas automatique ce genre de truc, mais là, on voit que l'équipe a bien sûr profité. Ah, c'est pas un match pour les gardiens aujourd'hui. Hein. Il s'avance vers la surface. Ouais, bel appel de balle. Ouais, ça passe largement à côté. Mbappé. Allez, il faut centrer, c'est le moment. Il prend la frappe. Le ballon est sorti, ce sera un corner donc. Le corner en direction du point de pénalty. Il choisit la frappe. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Et on va jouer 2 minutes de plus. Marsal. La fin du match, Pierre, et le public, écoutez, qui fait savoir à l'arbitre ce qu'il pense du carton rouge infligé tout à l'heure. C'est vrai que le public juge le carton rouge sévère, et c'est vrai que cette infériorité numérique.